Salut les petits loups! Êtes-vous prêts pour le Summer Sound Festival de Rochefort? Ça se passe les 3, 4, 5 et 6 août, donc c'est tout de suite presque. Un tout jeune festival qui en est seulement à sa troisième édition. La programmation est 100% électro, ce qui n'était pas le cas de la première édition puisqu'il y avait aussi de la chanson française. À noter que ce festival est engagé dans une démarche handi-friendly, accueil des personnes à mobilité réduite, et aussi dans une démarche éco-responsable. Recyclage, toilettes sèches, sensibilisation, etc. Donc aidez-les en ne chiant pas dans les bacs à recyclage. Ça serait sympa. Merci. Pour un jeune festival, il rameute pas mal de stars internationales, comme Cashmere, Don Diablo, Dylan Francis ou Afrojack, mais aussi des pépites françaises tout aussi internationales, Solveig, Madeon ou Florian Picasso. La chance vous aurez aussi de voir Lumberjack, Loge 21, Damien Hendrix, Maeva Carter ou les potes Will & Mike et aussi Phylex. A noter que Phylex ce sera le 4 août à 18h10 sur la main stage, suivi de Will & Mike à 18h55, qui m'ont d'ailleurs gracieusement autorisé à utiliser leur musique en fond sonore de cette vidéo. Merci les mecs. Rochefort, c'est là. Et le site du festival, c'est la Corderie Royale. Ici, tu peux venir en train, en voiture, en bus ou en tondeuse. Et tu peux te loger gratos au Summer Camp si et seulement si tu t'es chopé un pass 3 jours ou un pass 4 jours. Le Summer Camp, c'est là, le site du Polygone. Et ce sera blindé d'animations et de trucs cool. Et depuis le Summer Camp, tu pourras tout faire à pied, aller en ville ou au festival. Cool, non ? Des gaufres, oui, j'ai bien dit, des gaufres. Mais aussi des sandwichs, des frites, des glaces, des wraps, des pizzas et même des sandwichs végétariens. Et même un méchoui géant. Ou peut-être pas. Pas d'animaux sur le site du festival. Ça inclut les chats, les chiens, les serpents, les araignées, ta belle-mère, les zèbres et même les dinosaures. Par contre, tu peux tenter d'entrer comme ça ou encore comme ça. En bref, les déguisements d'animaux, ok. Pas de trucs qui coupent, pas d'armes, de canettes, d'alcool, d'objets en verre, ni d'appareils photo, ni de caméra. Pas de selfie stick ou bien sûr de substances illicites. Et hélas, j'en ai eu la confirmation hier, pas de lance-flammes. Y vas-tu? Et qui viens-tu voir? Moi, j'y vais pas. Mais j'aurais bien aimé. J'aurais voulu voir Madeon, Will & Mike, Phylex et Loge 21, mais aussi Lumberjack, Dylan Francis, Damien Hendrix et aussi Cashmere, presque tout le monde en fait. Et sinon, j'aurais aussi bien vu une scène un peu alternative pour faire découvrir des trucs un peu plus space, un peu moins mainstream. Mais bon, c'est pas mon festival, c'est juste une idée comme ça jetée en l'air. Allez, amusez-y vous bien, on s'y voit pas, mais merci, bonsoir.